Alors, les enfants, je vous préviens, demain, il y a une intervenante qui va venir. Oui, ce ne sera pas moi, le professeur, tournez-vous les... Non, une intervenante, il y a une dame qui va venir pour vous apprendre un petit peu des mots en langue des signes. Vous savez ce que c'est la langue des signes? Non, non, ce signe-là, on sait, mais c'est pas bien. Arrête, hein, sinon je te punis. Ah, non plus! Hein? Avec le bras, ça, c'est pas un signe. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette génération? Alors, non, je vous explique, ces enfants. La langue des signes, c'est les enfants qui sont muets, qui ne peuvent pas parler. En fait, ils se servent de signes, comme ça, le lapin. En fait, je dis n'importe quoi. Ils sont là pour eux. Elle fera mieux que moi, ça c'est sûr. Et voilà, comme ça, ils ne parlent pas, mais ils parlent avec les mains. Qu'est-ce qu'il y a, Jonathan? Pourquoi tu pleures, Jonathan? Mais non, mais bien sûr que tu parleras après. Bien sûr, tu vas pas. Mais non, on va pas perdre la parole. Mais non, mais non. Elle va nous apprendre à parler avec les mains. Mais après, on pourra toujours parler. Il y a pas de... Bah toi, tu parles bien. Ah bah ça. Ah bah toi, tu. Allez, tu vas aller t'asseoir sur la chaise là-bas au fond de la classe. Ah oh, parce que tu parles là toujours dans mes oreilles. Toi, tu ferais mieux vraiment d'apprendre hein? La langue des signes. Voilà. Moi, je vais faire signer à tes parents. Oh, bah ça. Oui. Ah, ben si. Si. Je vais leur faire signe comme ça. Venez. On va parler de toi. Bon. Ah, bah bon. Donc, demain matin, langue des signes. Et vous inquiétez pas. On va pas perdre la parole. Tout le monde parlera toujours autant après. Autant. Un petit peu moins. On essaiera de faire de temps en temps la langue de signes entre nous. Ce sera peut-être un petit peu plus calme que ça dans la classe.